Donc c'est une action die-in, alors, on n'a pas trouvé d'équivalent français, désolé. On va simuler une extinction, ce qui nous pend au bout du nez si le gouvernement ne bouge pas trop. Bonjour à tous. Wouhou. Plus de 170 manifestations sont organisées aujourd'hui en France pour dénoncer le manque d'ambition de la loi climat votée mardi dernier. Auprès de nous aujourd'hui, Alternativa, ouais. Évre Nature Environnement, ouais. Amnesty International, ouais. Vigilance Citoyenne, ouais. La Ligue des Droits de l'Homme, ouais. Terre de Lien, ouais. Le gouvernement et la majorité ont affaibli le projet et ont empêché que les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat soient reprises par les députés. À peine 10% de ces propositions retenues, normalement sans filtre, dans le projet de loi. Voilà. Est-ce que c'était ça qu'on attendait? Non. Non, non, non. Pour le climat, on veut une vraie loi. Pour le climat, on veut une vraie loi. Pour le climat, on veut une vraie loi. Réelle ambition de la loi, quel avenir pour les plus fragiles? Et ben voilà, les plus fragiles, vous disparaissez, vous pouvez allonger à terre. Quel avenir pour les populations vivant dans les zones les plus touchées par les catastrophes naturelles? A-t-on attendre de voir affluer les réfugiés climatiques? Eh oui, les réfugiés climatiques qui meurent déjà par centaines, par milliers chaque année. On sait que ça, eh ben, ça va encore monter, monter, monter. Réfugiés, vous disparaissez. Qu'est-ce qui va nous rester? Nous pouvons tous agir. Notre slogan, c'est « Ensemble, on va plus loin ». Même si on n'est pas une foule immense, on voit déjà qu'il y a des gens qui ont envie d'agir, qui ont envie qu'il se passe quelque chose, qui ont envie de vivre. C'est ça le fil conducteur. Sauvons la vie. Tous ensemble. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes fiers de vous. Merci les musiciens. Merci à tous les participants.